Voilà, nous allons commencer notre culte. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore réunis ce matin pour rencontrer le Seigneur. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est nous venons pour rencontrer le Seigneur, pour le louer, et pour l'adorer et pour l'écouter. Je commencerai ce culte avec ces quelques versets du psaume 95 qui dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. » Yegek Deroch. Et nous voulons aller devant lui pour lui offrir notre louange, pour lui offrir l'adoration dont il est digne. Et nous voulons aller avec un cœur humble, un cœur reconnaissant, car il est grand, il est merveilleux, il est extraordinaire. Et nous te remercions, Seigneur. Prions, nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Quelle grâce de nous accueillir ce matin dans ta présence. Quelle grâce de pouvoir s'approcher par Jésus-Christ de toi, Père, qui était si inaccessible. Et pourtant, Seigneur, tu as ouvert la porte par Jésus-Christ, ton Fils. Et ce matin, nous pouvons s'approcher de toi pour nous prosterner devant toi, Seigneur, pour nous dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, combien nous sommes heureux, Seigneur, de te servir. Et combien nous sommes heureux de te rendre ce matin un culte, Seigneur, qui te glorifie et qui t'honore. Merci, Seigneur. Je prie, nous prions ensemble pour tous ceux qui ce matin sont dans la peine, dans l'épreuve, dans la maladie, dans le deuil. Seigneur, afin que tu sois avec chacun ce matin et que tu interviennes, Seigneur Jésus, pour tous nos frères, nos sœurs, et puis ce monde qui est tellement aujourd'hui déboussolé et préoccupé, que nous voulons remettre aussi entre tes mains. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Amen. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui nous écoutent derrière leur écran. Soyez bénis. Et ensemble, nous voulons vivre ce culte dans la présence de Dieu et pour la gloire de Dieu. Je laisse la place à la louange. Ça marche, c'est bon? Vous m'entendez? Bonjour, oui, on a un grand Dieu, et de la même façon qu'on vient de le lire, moi aussi je voulais vous dire ce matin que parfois on peut se sentir faible, et on se sent faible, hein, parfois on se sent pas très fort, mais de savoir que notre Dieu il est avec nous, et que lui il est infiniment plus fort que nous, et plus grand que nous, et qu'il peut nous soutenir. Et c'est ce qu'on va dire ce matin par nos chants. On va commencer par ce chant qui dit « Qui est comme Dieu ?» Alors je vous invite à vous lever. Et puis à proclamer que personne n'est comme notre Dieu, qui est infiniment plus fort que ce que nous pensons. Redoutable et puissant, qui est comme Dieu.
Notre Dieu est digne de gloire, que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur soit adoré. Qui est comme Dieu? Mais en personne. Qui est comme Dieu? Redoutable et puissant. Qui est comme Dieu? En prière, et que le Seigneur peut faire de notre cœur tout ce qu'il
Verset. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce que nous pensons. Voilà, c'est ces derniers mots qui m'ont touchée dans ce verset. Celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou que nous pensons. Et donc j'aime bien raconter cette petite histoire. Alors je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui passe dans une rue où il y a un confiseur et qui, tous les matins en allant à l'école, regarde les bonbons dans la vitrine. Et puis elle passe un moment à regarder chaque bac de bonbons. Et puis après, elle continue son chemin et elle va à l'école. Et puis le soir, elle repasse et elle regarde les bonbons en rentrant chez elle. Et un matin, le confiseur qui l'a vue, il se dit, bah, tiens, ce soir, pour cette petite fille, je vais faire quelque chose d'un peu spécial. Et quand elle revient après l'école, il l'attend devant le magasin, il lui dit de rentrer. Et puis il lui dit, écoute, si tu veux, pour une fois, je vais t'autoriser à prendre une poignée de bonbons. Alors là, bien sûr, hein, les enfants, quand on leur propose des bonbons, hein, la petite, elle est enchantée, mais elle attend. Alors il dit, vas-y, tu peux prendre une poignée de bonbons. Et puis il voit qu'elle hésite quand même. Alors il dit, bah, pourquoi tu ne la prends pas? Et puis là, elle lui dit, écoute, si j'ai droit à une poignée de bonbons, est-ce que tu peux me la prendre toi? Alors là, bien sûr, il est amusé. Et puis avec sa grande main, il prend une belle poignée de bonbons. Et tout ça pour illustrer que ce que Dieu peut nous donner, c'est toujours bien au-delà de ce que nous, on pourra prendre avec notre petite main. Alors parfois on ne comprend pas pourquoi le Seigneur ne nous laisse pas prendre. Parfois on a envie de se jeter sur les bonbons. Hein, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'enfants qui réagissent comme cette petite fille. Parfois le Seigneur ne nous laisse pas prendre, mais parce que ce qu'il a à nous donner, lui, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus profond, beaucoup plus, infiniment plus que ce que nous, on pourrait avoir tout seul. Voilà, ce matin peut-être faisons confiance à Dieu que dans notre vie, et si on le lui demande, si on le laisse faire, eh bien, il va nous donner infiniment plus que ce que nous, on pourra avoir tout seul.
On va continuer. Adorons, adorons.
tu abandonnes tes propres pensées. Il faut que tu abandonnes tes propres interprétations. Il faut que tu abandonnes tes propres critiques. Il faut que tu abandonnes tout ce qui te relie à la terre. Tout ce à quoi tu es attaché naturellement. Et que tu te présentes devant moi tel que tu es. Pour recevoir, pour être purifié, pour recevoir le pardon, pour être accepté. Ne viens pas vers moi avec tes propres pensées, mais approche-toi avec humilité, rempli de mes pensées, rempli des sentiments de mon cœur, rempli de ma personne. Et rempli de mon esprit. Mon enfant, si tu veux t'approcher de moi, laisse de côté tout ce qui appartient à cette terre, tout ce qui appartient au diable, et approche-toi tel que tu es, parce que je te rachète tel que tu es. Ce matin, lorsque je suis arrivé dans l'église, il y avait le soleil qui était sur, ici, là, sur cette table. Et puis, cette chair au soleil faisait ressortir toute la poussière qui était dessus, et qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Il parev aïsardou asorvra. Et c'est un peu le message que je vais donner ce matin. C'est qu'il y a dans nos vies bien des choses qui sont invisibles à l'œil nu, mais que Dieu voit. Mais il y a des choses qui sont invisibles à l'œil nu, mais que Dieu voit. Et je crois aussi une chose importante, c'est que si nous désirons vraiment être bénis par Dieu, eh bien, ces poussières-là, il faut les enlever. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un mouchoir et j'ai essayé d'enlever la poussière. Mais ça n'a pas été facile. Ça s'accrochait. Et puis j'ai dû me reprendre plusieurs fois avant que soit un peu propre. Ouzei pochiner hanel asaldu. Pas un scantage valer. Pochiner turun turun tiener tar. C'est un combat. Asiga baïkar mené pour nos vies. D'enlever les poussières. D'enlever la poussière. On est prêt à enlever de grosses choses, de gros péchés, de grosses désobéissances. Mais il y a plein de petites choses qui sont là et qui sont un frein à notre vie chrétienne et à la plénitude. Metz paner gernang versenel turun, metz berker, metz anhanazantutuner, pas buzik paner gan, vor hosen, yev adom tchenk versenel yavarket gernan. Alors ce matin, je voudrais lire quelques versets dans Genèse, chapitre 33, les quatre premiers versets. Genèse 33, les quatre premiers versets, qui disent ceci, c'est l'histoire de Jacob, lorsqu'il va retrouver son frère Ésaü. Yerpagop, geveratarna, eriesav, yerpair, timavorelu. 33, les quatre premiers versets. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou et l'embrassa. Il s'est prosterné 7 fois.
Yot ankam ilirpor archev zungiegaf. Et pas cette fois au même endroit, mais ça a été une progression jusqu'à ce qu'il se retrouve dans les bras de son frère. Yot ankam pas nun derenche modenalovevor espes arachkenats. Dans l'évangile de Matthieu, il y a ce verset qui dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande à l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Et dans 1 Timothée, au chapitre 5, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il était meg iren nerun chunayir chohokas, et manavant ir endanikin antam nerun aniga anhavadirim megne. Le frère dont il est question dans les paroles de Jésus dans Matthieu désigne un enfant de Dieu qui par la foi a le même père que moi. Ihr Pair ein Ansnebor nun Heir unik. Comme moi, il est né dans la famille de Dieu. Anigazonaf Asuzoendanikin Mech. Et tous les chrétiens qui font partie, nés de nouveau, font partie de la même famille. Amen Habadatial Bor Verenzenaze nun Endanikin Gebadganin. Qui est l'Église. Les croyants sont des frères et sœurs, unis par le même sang de Christ. Nun Aryunov, Miatsazen, Christos Aryunov. Et en même temps, nous sommes devenus des héritiers du Père. Dans les paroles de Paul à Timothée, par contre, il est clair, d'après le contexte, qu'il s'agit de prendre soin de notre famille terrestre. Timotheos, Havazimetch, Mer Endanikin, Belkehogdanik. Même si par extension, il nous est demandé de prendre soin des uns des autres dans l'Église, il est question de l'importance de veiller sur les membres de notre famille terrestre. Père, mère, frère, sœur. Il était égrétine mec, mais qu'il a l'hoc d'anning, mais qu'il a l'hoc d'anning, n'a pas d'abès, mais qu'il a l'hoc d'anning, n'a pas d'anning. Même si au début de son ministère, Jésus n'a pas été compris par les membres de sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs, nous voyons qu'au plus profond de son agonie sur la croix, il a confié sa mère à son disciple. Il est vrai qu'on parle beaucoup de l'Église, souvent, on en parle, des relations entre les enfants de Dieu, de l'amour, du pardon, de la réconciliation, de la paix dans l'Église. On en parle beaucoup. Et on parle moins des relations que nous entretenons ou pas avec les membres de nos familles. Je voudrais mettre aujourd'hui sur le même plan d'importance les relations que nous devons avoir dans le cadre de l'Église et celles que nous devons avoir dans le cadre de nos familles respectives. Si j'applique les paroles de Jésus dans Matthieu à ma vie terrestre, elles m'enseignent que je ne peux pas apporter une offrande à Dieu si je suis avec, en mauvais termes, avec l'un des membres de ma famille, et la même chose pour la famille de l'Église. Il était megumhet hashchem, chem gernar enzam perel, arans hashtevilu. Si ce que dit Paul à Timothée s'applique d'abord à la famille terrestre, prendre soin, il s'applique aussi à la famille spirituelle, qui est l'Église. Ainsi, la volonté de Dieu et que chacun des enfants, de ses enfants soit en plein accord, en paix, rempli d'amour envers les membres de sa propre famille et les frères et sœurs de l'Église. L'un des freins à la bénédiction de Dieu, l'un des freins au réveil, où l'un des freins à la bonne santé spirituelle des chrétiens sont les conflits, les disputes, les séparations, l'amertume, la colère,
le jugement que l'on trouve parmi eux est la même chose dans la famille. Et la même chose dans la famille. Mais craint-il, vous regardez qu'il est à ce zoo, hors de tune, à ce. Je n'ai pas de tune, il n'y a pas de tune, On prie Dieu, on sert Dieu, on loue Dieu, on témoigne, alors qu'on est rempli d'amertume contre quelqu'un, qu'on ne lui adresse pas la parole, qu'on nourrit de mauvaises pensées à son égard, qu'on lui en veut, qu'on a de la rancune. À cause de cela, des chrétiens ont quitté leur église et des membres d'une même famille ont rompu leurs relations. Comprenons-nous bien, je ne parle pas ici des raisons qui peuvent nous pousser à des séparations, mais de ce que Dieu pense, lui, de cet état des choses. Est-ce normal que des chrétiens disent d'un frère ou d'une sœur, je ne peux pas le piffrer? Est-ce normal? Je ne le supporte plus. J'ai envie de l'étrangler. Je ne veux surtout plus le voir. Je ne le connais plus. J'ai tiré un trait sur lui. Je ne dis pas que les situations sont simples. Mais quelle que soit, quelle doit être l'attitude des chrétiens lorsqu'il y a des situations d'injustice face à la méchanceté, à la trahison, à la déception dans sa famille physique ou dans sa famille spirituelle. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il attend? Comment dois-je réagir? Je pense que nous connaissons assez la Bible pour répondre à ces questions. Arrivé à ce stade de ma réflexion, je voudrais rappeler cette parole de Paul. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dans Hébreux 12, 14, nous lisons, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, la recherche de la paix est une dimension de la sanctification. Sans la sanctification, on ne peut pas être proche de Dieu, ni entrer en communion avec lui. Ainsi, je ne peux pas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, la cause des situations, je ne peux pas être, moi, en tant qu'enfant de Dieu, la cause des situations de rupture, de colère, de dispute et autres. Moi, enfant de Dieu, je ne peux pas être la cause de toutes ces choses-là. Mon attitude est de ressembler à Jésus. C'est tout. D'être rempli de ses sentiments et de faire sa volonté. Et si je suis en face d'un mur, bien sûr, si je suis face à un refus ou au rejet, bien sûr, je ne vais pas insister. C'est compréhensible. Mais même dans ces situations-là, je peux continuer à prier pour les personnes. Alors, on en revient à la famille d'Isaac. Rien ne va plus dans la famille d'Isaac et Rebecca. Leurs deux fils sont à couteau tiré. Isaac
d'unin mech yerguyer partner vitapanutian mechen. Il est vrai que Jacob a trompé son frère. Il a menti à son père. Et en lui substituant son droit d'aînesse, il a aussi reçu à la place de son frère la bénédiction. Agop rapetz yefsavin. Yevotnutun gorobdetz. Ésaü est dans une folle colère. Il est rempli de haine envers son frère. Yesav adelutunov letzvadze. Il projette même de le tuer. Gouzemersenel. Jacob est obligé de s'enfuir pour sauver sa vie. Et c'est la rupture. Rupture avec sa famille, avec le pays de sa naissance, et ce pendant au moins une vingtaine d'années. Que sandari neru un tatskin agop pajanum pajan vetsav ir un danikin head. Mais Jacob a un désir quand même profond. Agop papak mouni. Alors qu'il s'enfuyait, loin des siens, il ne renonce pas à l'idée de revenir. Vous voyez, c'est très important. Très important. Yerge herana irenderen, ink mekormen guzik veratarnal orm. Au chapitre 28 du passage de Genèse, après un songe par lequel Dieu s'est révélé à lui, Jacob fit un vœu en disant : si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix, et si je retourne en paix à la maison de mon père, vous voyez, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Hagop es arot gene, il était der in zi hedella, il était harutuno velatarnam im horus dune, einaden astvaz im astvaz spidella. Sans tenir compte des raisons de sa fuite, ni analyser les responsabilités des uns et des autres, ni réfléchir sur le plan de Dieu pour cette famille, je veux juste retenir que Jacob a envie un jour de revenir chez lui. Hagop guze orm velatarnal. Arantz urish barakaner nayelov. Il n'a pas dit c'est fini, c'est pour la vie, je ne reviendrai plus, je n'ai plus rien à voir avec mon frère, et tant pis si je ne revois plus ma famille. Inketchav vechatsav al tchemuzer voyez megdesnal. Jacob ne se satisfait pas de cette situation. Il ne se résigne pas. Il veut que les choses s'arrangent. Il veut que les choses s'arrangent. Il veut revenir, retrouver son frère, retrouver sa famille, retrouver la paix. Frères et sœurs, il est vrai qu'il y a des situations difficiles et compliquées. Mais l'important n'est pas de tourner la page pour passer à autre chose. L'important, c'est ce que Dieu veut. Moi, je pense à quelque chose, mais qu'est-ce que Dieu veut ? Vous voyez ? L'important, c'est notre disposition d'esprit avec l'espoir que les choses s'arrangent pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit content, et qu'il n'y a pas plus de poussière sur mon cœur. Je ne pense pas que ce soit dans le plan de Dieu de dire « c'est fini, la rupture est définitive, ne m'en parlez plus, je ne me réconcilierai jamais ». Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu peut agir lorsque mon cœur est ouvert. Parce que c'est aussi sa volonté que Jacob retrouve les siens et que la paix soit rétablie. La preuve en est qu'il dit au chapitre 31, « Retourne au pays de tes pères et dans le lieu de ta naissance et je serai avec toi. » Alors ce n'est pas évident pour Jacob de revenir chez lui. Jacob se met en route pour entrer dans son pays, mais il avait des raisons d'avoir peur. Comment il va être accueilli? Comment son frère va faire avec lui? Mais Dieu savait ce qui se passait dans son cœur et il va le rassurer. Lorsque Laban l'a poursuivi pour le rattraper, et même pour le tuer, à la limite, eh bien, Dieu s'est révélé à Laban. Il lui a dit, ne le touche pas. Ne le touche pas. Yep, Laban,
Uzets hasnil iren nunisk mercenelu hamar asfats hait nevetsav la banin nevetsav mitabnar iren. Et au chapitre 32, il dit que des anges rencontrèrent Jacob, Rishtagner, Antibetsan, Hagopin. Dieu l'assurait de sa présence. Et la veille de rencontrer son frère, Ésaü, il est dit que pendant la nuit, un homme lutta avec Jacob. Et Jacob comprend que c'est le Seigneur qui est là. Il y a Vertin Kisher, Martme Irenhed Balkaïsav, Vor Asfaz Inkner. Frères et sœurs, lorsque nous désirons accomplir la volonté de Dieu, même si en notre fort intérieur, il y a un combat, lorsque nous désirons accomplir la volonté de Dieu, Dieu a plani notre chemin. Yet Gouzeng a sous gamk un aile, nous n'y sommes pas tchvar et meziamar, asfaz jampan gegar katre gebadraste. Nous pouvons avoir de la crainte, nous pouvons redouter certaines retrouvailles, mais Dieu honore notre volonté de faire sa volonté. Asfaz gortne mel gamk. Il est capable de transformer les situations qui paraissent les plus difficiles et les plus délicates. Alors, je voudrais vous parler de ces sept aspects maintenant de notre relation avec Dieu qui mène à la réconciliation. Parce qu'il y a un chemin. Jampa Mega. Voici ce qui est dit dans Genèse 33. Jacob se prosterna sept fois à terre. Et il y a une progression. Yotankam hagop zungeigav ir yerpor archev. Et au fur et à mesure qu'il se prosterne, il est plus près de son frère, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Yev yerp gamatz kamatzk modena vetchabesk hasdi ir yerpor mod. Le premier aspect de la réconciliation ou des retrouvailles, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Lorsque Jacob leva les yeux, il vit Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Jacob passa devant ses servantes, ses femmes et ses enfants. Dieu avait donné des assurances à Jacob. C'est pourquoi celui-ci est conscient de la présence de Dieu et de sa grandeur, de sa puissance, de sa fidélité. Et il peut se présenter devant Ésaü. Asfaz vestautuner de vadze hagopin. Anoramar hagop kitnalov asudu mezutsun zorutsun gurnanerganal. C'est cela la crainte de Dieu. Asse asudu var. Être conscient de la grandeur et de la puissance de Dieu et s'appuyer sur ses promesses en lui faisant honneur. Je suis conscient que Dieu est là maintenant. Je suis conscient qu'il entend tout et qu'il voit tout. Et c'est cela, la crainte de l'Éternel, c'est d'être conscient. Quand je suis plus conscient de cela, je n'ai pas de crainte de l'Éternel. Dans Malachi 1,6, Dieu dit à son peuple, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Celui qui ne craint pas Dieu oublie que Dieu est vivant. Ou l'oublie. Il oublie qu'il est grand. Il oublie qu'il est puissant. Ce chrétien ne pourra ni accomplir la volonté de Dieu, ni aura à cœur de rechercher la paix avec tous les hommes, et encore moins la paix avec les membres de sa famille. Ça, c'était le premier pas. Deuxième pas, c'est la soumission. Il se prosterna une deuxième fois. Soumission. Nous la voyons, cette soumission, dans Marie, qui dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. » Est-ce que nous, on peut dire ça aujourd'hui ? « Qu'il me soit fait, Seigneur, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait comme toi tu veux, même si ça ne me plaît pas. » Même si ça ne me plaît pas, qu'il me soit fait comme toi tu veux. « Inspesor guzes ureenzi, nunis kete hajelicenzi amar. » Être soumis à Dieu, c'est accepter sa volonté pour moi et pour mon existence,
même si ça ne me convient pas, même si ça ne me convient pas. C'est accepter de mettre sa parole en pratique, même si elle est difficile à comprendre. Un tunil, il rosque, il constenel, nunis, il était jevalé, haskenalou. Être soumis à Dieu, c'est accepter de faire le premier pas, accepter d'aimer, accepter de pardonner, même si je n'ai pas envie de pardonner, même si je n'ai pas envie d'aimer. C'est se réconcilier, même si je n'ai pas envie de me réconcilier. Adresser de nouveau la parole, même si je n'ai pas envie de le faire. Considérer l'autre comme étant au-dessus de moi-même. Rechercher ses intérêts et non les miens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Un tunil, astudo, ouzad, gneshanagi, arachin, kail, yespidienem. Sirel, nunis, yete, tchemouzer, sidel. Rossil, antinhed, nunis, yete, tchemouzer, rossil. Antibil, nunis, tchemouzer, yete, tchemouzer, antibil. Lorsque Jésus demanda à Pierre de jeter le filet, alors qu'ils avaient pêché toute la nuit, sans rien prendre, Pierre a dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Kouroskit, amemat, bidinedem, tchulimetch, supernelu hamar. Pierre s'est soumis, même si la demande de Jésus paraissait insensée. C'est en étant soumis à Dieu et à sa parole que nous pourrons être en paix avec les hommes, avec les membres de l'Église et avec les membres de nos familles. Il se prosterne une troisième fois. Et là, c'est l'obéissance. Après s'être soumis à la parole de Dieu, Pierre a obéi. Sinon, ça n'aurait servi à rien. Hier, un tunet à ce que Bedros, il constataf, il était voce. Dans l'une de ces paraboles de Jésus, il est dit qu'un père demande à son fils d'aller travailler dans son champ. Et son fils lui dit, ok, j'y vais. Il se soumet à la volonté de son père. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas. Nous savons qu'on peut très bien entendre la parole de Dieu, l'accepter sans l'appliquer et sans la mettre en pratique. C'est la personne qui a construit sa maison sur le sable. C'est en obéissant à la volonté de Dieu et en la mettant en pratique que nous pourrons avoir la volonté de rechercher à être en paix avec les hommes et renouer avec les frères et sœurs de l'Église et les membres de nos familles. Il se prosterne une quatrième fois. Et là, nous avons l'humilité. Marie dit dans son cantique, « Mon âme exalte le Seigneur et mon cœur est plein de joie à cause de mon Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. » Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est de croire qu'on a raison d'agir comme on le fait. Vous voyez ? De croire qu'on a raison d'agir comme on le fait. Havadal vordies iravunkis mechnem. Aisvarmunk unenalu. Et que ce n'est pas à nous de faire le premier pas et à nous humilier. Mais itchumenar arachinka el gadarel yefronaril. L'humilité, c'est de comprendre qu'on n'est pas meilleur les uns que les autres. Ronarutun gneshanagé vord menk meg musin hantep lafchenk. Qu'on ne mérite pas plus que les autres. Et que ce ne sont que nous sommes seulement les fruits de la grâce de Dieu. C'est tout. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Il était inchvor es tu ne statzazes imgormes, inchu amarg paravorvig, inkezinket paravores. Voici ce que dit encore Philippiens. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un désir inutile de briller, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Jacob était animé de ce sentiment-là lorsqu'il dit à Ésaü, « J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. » Frères et sœurs, on ne pourra jamais rétablir des relations brisées avec les hommes, dans l'Église ou dans nos familles, sans humilité. Gaber Vera Sterzel, Martot 7.
Et puis, il y a le cinquième point. Il se prosterne une cinquième fois. Et là, c'est la repentance. La repentance. Esther Zerchumde. Lorsque le fils prodigue a réalisé sa situation, il a décidé de revenir à son père pour lui dire « Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Et de même, Jésus a dit à cette foule qui voulait lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jacob lui-même avait sûrement des raisons de se repentir. Frère, est-ce que je peux dire ce matin, j'ai rien, moi, pour lequel je dois me repentir? J'ai rien. Je suis nickel. J'ai rien pour lequel je dois. Consciemment ou inconsciemment, nous faisons tous des erreurs. En même que ça le sera le net gening. Nous commettons tous des péchés. En même que ça le merg kozeng. Nous avons tous des manquements. Nous commettons tous des fautes. En même que ça le sera le net gening. Il est important de les reconnaître et de nous en repentir. Sachons être lucides et vrais sur nous-mêmes. Et repentons-nous pour que les liens rompus soient de nouveau réparés. Il se prosterne une sixième fois. Dans Genèse, et là nous avons le service. Genèse 33, 8, Ésaü dit à Jacob, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et dans Matthieu, nous avons, lorsque les mages trouvèrent l'enfant, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jésus a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Nous sommes nous-mêmes des serviteurs de Dieu et nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. C'est de cette manière-là que nous allons favoriser les relations, la restauration des relations avec les hommes, avec les frères et sœurs de l'Église et les membres de nos familles. Être prêt à les servir. Est-ce que je suis prêt à aller aider quelqu'un de ma famille avec qui je suis en désaccord, avec qui ça va pas trop? Le service. Et puis, une dernière fois. Et ici, nous avons l'adoration. Le chiffre 7 était le chiffre de la perfection. Et j'ai placé l'adoration à cette place parce que seul Dieu doit être adoré. Les mages se prosternèrent devant l'enfant et l'adorèrent. En fait, chaque étape se retrouve dans l'adoration. La crainte de Dieu, la soumission, l'humilité, l'obéissance, la repentance et le service se retrouvent tous dans l'adoration. L'adoration, c'est la vénération, l'hommage, l'exaltation. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons adoré le Seigneur. Adorons. Nous avons adoré le Seigneur. Mais quand je dis adorons le Seigneur, quand je dis j'adore le Seigneur, est-ce qu'il y a ces points? Est-ce qu'il y a la repentance? Est-ce qu'il y a la soumission? Est-ce qu'il y a l'humilité? Est-ce qu'il y a le service? À ce stade-là, les deux frères se trouvent côte à côte. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre et pleurent. Ils se sont pardonnés. Ils se sont repentis. Ils se sont réconciliés. Ils sont maintenant remplis de joie. Aïnaden Kovkovi Ketnevetsan. Frères et sœurs, c'est en adorant le Seigneur que nous pourrons accomplir sa volonté de réconciliation, de paix, d'amour et de pardon envers les hommes, envers les membres de l'Église et les membres de nos familles.
Nous pourrons alors nous attendre à de grandes bénédictions dans l'Église et dans nos familles. ASPC Vos, Zasfat Kovelov, Asgeder Aprelov, Kurnang Iraruhet Hashtelal, Yev Miasin, Espacel Asuzu Otnutuner. Alors, frères et sœurs, ne gardons pas en nous des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tchubahenk Berganerumet, garde paner vor vor Hajedichen Astuzu. Réfléchissons à notre Église, réfléchissons à nos amis, réfléchissons aux gens, réfléchissons à notre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a des gens avec, à qui j'en veux, à qui je suis prêt à les étrangler? Est-ce qu'il y a? Alors revenons, repentons-nous, parce que c'est la volonté de Dieu. Il était, vous voyez, Pushim là, Prunarink, Zerchank, pour que lorsque nous nous approchons de Dieu, eh bien, les écluses du ciel soient pleinement ouvertes. Frères et sœurs, j'ai envie d'être béni. J'ai envie que notre Église soit bénie. J'ai envie que ma famille soit bénie. Alors, ayons devant Dieu une attitude qui lui plaît et n'amassons pas la poussière dans nos cœurs et dans nos vies qui empêche la bénédiction et puis qui nous font dire, ah ben, alors, il n'y avait personne aujourd'hui dans l'église. On était si peu, et bien, c'est pas terrible la louange. Et puis ça. On dira plein de choses. Et puis l'arménien, et puis si. Non, frères et sœurs, non. Enlevons les poussières. Enlevons les poussières avant que le Seigneur ne revienne. Pushiner Hanenk. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Der Turin Archevne. Shachut Kuka. Amen. Prions ensemble. Arotank Miyasin. Seigneur, je te remercie parce que tu nous rappelles des choses qui nous touchent de près, mais on a besoin, j'ai besoin le premier, d'entendre ces choses. Arachini espetkuni ma espaner de sedu. Ô Seigneur, on vit tellement quelquefois sans discerner toutes les poussières qu'il y a, qui nous empêchent. Qui t'empêche de nous bénir véritablement. Mais que Charnagen, que Abrelou, mais que votre langue, Chadan Kamarant, Desselou, une pochinère, votre garkilen, quort nous tionnet. Et pourtant, tu veux nous bénir, c'est ta volonté. Gouzès, mes osnel. On se fait des idées, on prend des décisions, on interprète des choses, Seigneur, sans rechercher. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Chadan Kam, mais que. Voroshumner garnenk, urutuner genenk, garnenk, arans mutadelute tun inchkuses, tun inchkus passes. Ô Seigneur, purifie-moi, s'il te plaît. Purifie-moi de toutes les poussières qu'il y a aujourd'hui dans mon cœur. Et permets-moi d'être en paix et de rechercher la paix avec tous les hommes, avec tous mes frères et sœurs dans l'Église, avec toute ma famille, tous les membres de ma famille. Seigneur. Je veux rechercher la paix, je veux les aimer. Seigneur, quelquefois ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais toi tu es là et tu regardes la disposition de notre cœur, de mon cœur. Bénis-nous Seigneur ensemble maintenant et permets que ta parole ne tombe pas dans les oubliettes, Seigneur. Ce que toi tu nous dis ne tombe pas dans les oubliettes. Bénis-nous ensemble et cela pour ta seule gloire. Amen. Yeah.
mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voix, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois le centre, sois mon esprit, sois ma source, Jésus, Jésus, sois ma vie. Dans votre cœur, selon ce que Dieu t'a dit ce matin, dis-lui maintenant, Jésus, je veux que tu sois le centre, mon centre. Je veux que tu sois ma lumière. Je veux que tu sois le feu dans mon cœur, ce feu qui purifie toutes les poussières qui se trouvent aujourd'hui. Si vraiment Dieu t'a parlé ce matin, fais cette prière. Seigneur, je veux maintenant que tu sois le centre. Je veux laisser de côté ma propre justice pour vivre selon toi et pour te faire plaisir, pour que tu sois fier de moi et que je puisse venir élever vers toi des mains pures pour ta gloire. Arrêtez que ce dit match. Il y avait ces têtes. Il m'a dit que je suis très bien. 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 Je voudrais te remercier, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit. Gloire à toi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ferai 2-3 annonces. Tout d'abord, donc l'étude biblique, je le dis chaque semaine. L'étude biblique mercredi à 20h en présentiel et à 20h30 en Zoom. Tous les chapitres, mais c'est de routine. J'aime Outin, Santrani, Yavutugessin, Zoomov, Internetov. Samedi prochain, il y aura un synode extraordinaire de nos églises à Lyon toute la journée, où nous allons débattre de quelques questions qui sont apparues lors de ces mois de réflexion sur ce qu'on appelle l'audit de nos églises. Mais nous tiens jorov vidi havakvi chapator lionimech polor or garkm harceru antep medazelu. Je vous rappelle les calendriers aussi. Prenez les calendriers pour les offrir également. Eh bien, ils seront également à la sortie. Prions aussi pour, continuons à prier pour nos malades, nos personnes âgées, nos personnes seules. Aroteng Berhivantelu Namar. Je voudrais juste signaler Elisabeth qui devait être réopérée encore ces jours-ci de la jambe. On devait lui mettre une plaque avec tous les problèmes qu'elle a déjà. Donc ils vont pas très bien, Elisabeth et David Renjian. Donc pensons à eux dans nos prières. Je pourrais en citer pas mal ce matin, mais je ne vais pas le faire, mais on les connaît en général. Prions en tout cas pour Elisabeth
pendant ces jours-ci où ça ne va pas très bien non plus. Voilà, on va terminer par un dernier chant et on va ramasser nos offrandes. Merne verner bidi havakeng et bidi erkeng verchin. Yerka. On va chanter le Haïmer du coup cette semaine. Ah, le Haïmer. Oui. Ah, Haïmer bidi erkeng. On va chanter le Haïmer. Որդնես երկնավոր հայրս եւ գործածես քու փառքի համար, ով Տերս փառավորյալ ես, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ամեն։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Derhedernitella bahe yevortne katsekra routian. Amen. Amen. Bonne journée et bonne semaine. Bonne journée aussi à vous qui êtes derrière vos écrans et bonne semaine.